Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, poursuit sa campagne à Abengourou où il s'est rendu ce 22 octobre. Il a eu des entretiens avec les autorités traditionnelles et religieuses, notamment le roi Nana Bouakwasi III et les guides religieux du royaume indénié. Nous allons bitumer l'axe Abengourou-Bétier-Abouasso. Je le confirme. Oui. Non, vous pouvez être rassuré que cette route traversera bien sûr la localité d'Apropono, de Bianoua et d'Akressi et de Ayamé. Oui, nous allons faire cela. Je n'avais pas été saisi sur les autres dossiers, mais nous avons 5 ans et vous pouvez me faire confiance que nous allons les prendre en compte. Toujours en marge de cette visite à Abengourou, le candidat Alassane Ouattara a annoncé des poursuites contre les auteurs du mot d'ordre de désobéissance civile. Pour lui, la Côte d'Ivoire est un état de droit et la démonstration de force doit s'effectuer dans les urnes. C'est vrai que certaines personnes entretiennent un climat de psychose accompagné d'actions violentes et de troubles à l'ordre public, mais je dois leur dire de ne pas se faire d'illusions. La Côte d'Ivoire est un état de droit et le droit sera appliqué au moment opportun. Oui, le droit sera appliqué, quel que soit l'auteur des crimes et des actions criminelles. Alassane Ouattara a également fait une annonce, celle de l'organisation des législatives avant la fin de l'année, s'il est réélu au soir du 31 octobre. L'opposition ivoirienne maintient son mot d'ordre de désobéissance civile. Suite à l'intervention de la CEDEAO, le gouvernement ivoirien s'est dit prêt à engager un dialogue avec les partis d'opposition. Cet appel n'a pas reçu un écho favorable auprès de l'opposition qui souhaite que la CEDEAO joue un rôle de facilitateur et non d'observateur. La CEDEAO se trompe une fois de plus dans son analyse de la situation en Côte d'Ivoire en feignant d'ignorer les problèmes réels relatifs à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 qui ne peut se tenir à date échue sous la forme actuelle. Les candidats Harry Konan Bédié et Pascal Afinguessan maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile pour le retrait de la candidature anticonstitutionnelle et illégale d'Alassane Ouattara, la réforme de la CEI et du Conseil constitutionnel, l'audit international de la liste électorale, le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques. Le nœud du problème vient d'une déclaration que le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation aurait formulée. Ce dernier aurait avancé qu'au cours d'une rencontre avec Madame la ministre des Affaires étrangères du Ghana, les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Afinguessan auraient formulé comme demande la restructuration de la commission électorale indépendante avec un poste supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI-RDA. Cette affirmation erronée est une manipulation des échanges de la rencontre du 18 octobre 2020 au cours de laquelle les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Afinguessan n'ont à aucun moment formulé une telle demande. Les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Afinguessan portent à la connaissance de la communauté nationale internationale et surtout de la CEDEAO qui ne se reconnaissent nullement dans cette affirmation du gouvernement
qui ne reflète en rien les discussions avec la délégation ministérielle de la CEDEAO. À quelques jours du scrutin, l'opposition ivoirienne est déterminée à maintenir son mot d'ordre de désobéissance civile. Le parti au pouvoir reste également sur sa position et est déterminé à aller jusqu'au bout. La population reste observatrice des tensions entre les deux camps. La campagne présidentielle du 31 octobre amorce son dernier virage. Il ne reste plus qu'une semaine pour convaincre les électeurs. Dans les QG de campagne, il faut déployer les grands moyens. C'est le cas de Kouadio Konan-Bertin qui met les bouchées doubles dans sa stratégie de séduction. Avec au menu pour les derniers jours de campagne, des affiches et banderoles dans les rues. Il en est de même pour les t-shirts parés à l'effigie du candidat. Sans compter le branding des véhicules dédiés à la caravane. On veut le changement, on veut la jeunesse, pour que ouais, nous aussi on puisse profiter demain. Voilà. En tout cas, moi ça me plaît bien d'habiller, de faire le branding de M. Kakabé. Je ne m'attendais même pas à voir ce marché pour venir faire ça, mais déjà ça me fait plaisir. Ça veut dire déjà, il commence bien. Derrière tout ce travail pour faire de Kakabé le prochain chef de l'exécutif ivoirien, se trouve son équipe de campagne. Logé dans son quartier général situé à Angré, dans la commune de Cocody à Abidjan, cette dernière déroule son plan pour porter la vision du candidat à l'ensemble de la population. Dans ces jours, le candidat Kakabé est représenté dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Vous trouverez un siège local et une direction de campagne dans tous les chefs-lieux de région. Il y avait une déclinaison dans les départements, dans la sous-préfecture, jusqu'à dans le village. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, au QG, tout le monde est optimiste et croit fermement à la victoire de Kouadio Konan-Bertin au soir du 31 octobre 2020. Ouverte le 15 octobre dernier, la campagne électorale s'achèvera le 29 octobre 2020 dans tout le pays. Doudou Naounou-Brice est un artiste plasticien résidant dans la commune de Yopougon à Abidjan. Pour lui, l'enfant est la promesse du futur. Dans ses œuvres, il met l'enfant au centre des préoccupations morales, sociales et politiques. Son appel aujourd'hui, celui de l'inclusion des enfants, un vœu qu'il soumet à l'attention du président élu au soir du 31 octobre 2020. Je souhaiterais que dans mon pays, on ait vraiment la paix. Parce que suite à beaucoup d'événements, nous, en tant que plasticiens, on prend un coup. Et mes attentes dans mon activité, c'est de promouvoir vraiment au plus loin possible mon travail. Et tant qu'on a des situations de troubles dans mon pays, ça retarde un peu l'avancée de mes activités. Doudou B, de son nom d'artiste, a toujours milité en faveur des causes pour enfants. En 2018, en vue de venir en aide aux orphelinats de Côte d'Ivoire, il initie le projet Palette pour enfants. Ce peintre réussit à mobiliser près d'1 million de francs afin de venir en aide aux orphelins de Côte d'Ivoire. Un concept qui, pour lui, doit entrer dans les nouvelles politiques de l'enfant. Il fonde ses espoirs au programme de société des candidats à la présidentielle. Bon, je souhaite, au travers de ces élections, tu sais, mes tableaux même déjà parlent de joie. Et d'amour, de paix, de gaieté. Et donc, je souhaiterais que déjà, je sente ça dans mon pays, l'amour, la paix, la fraternité. Pas de guerre, pas d'haine entre nous. Je pense que en cela, toute activité pourra avancer, quoi. Avec ses œuvres, il a déjà participé à plusieurs expositions en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Ardent défenseur des droits des enfants, Doudou Brice invite les acteurs politiques ivoiriens à écouter la voix des enfants afin de préserver les acquis de la nation et garantir une paix durable en Côte d'Ivoire.